Au bureau politique, moi j'ai proposé qu'ils nous mettent un seul item à l'agenda, c'est mon démission. Je vais expliquer pour qui bonne raison me soumettre mon démission comme leader. Nous bien discuté dans le bureau politique et nous avons proposé aussi qu'ils nous discutent dans le comité central et qu'ils nous fassent un comité central spécial jeudi. Là, nous discutons à fond et votre Kenya pour prendre, nous prend lit jeudi. Au terme de nos constitutions, le leader élu par le comité central aura une proposition du bureau politique. Donc, dans le bureau politique, la question est posée, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui vous les présente lui-même, dans la mesure que Paul Béranger retient lui comme leader, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui propose lui dans le bureau politique, aujourd'hui, comme leader, ou bien qui propose quelqu'un d'autre? Pas finalement, aucune proposition. Donc, nous amène sa motion-là, sa proposition, sa démission, comme leader devant le comité central. Nous, ce qui nous t'y souhaitait, c'est un débat aujourd'hui, dans sa motion-là. Me donne bonne raison qui fait, et me donne bonne raison, et dans le bureau politique, et dans le comité central, bonne raison qui fait, mon offert pour retirer moi comme leader, à cause de bonne raison qui finit dans ces derniers temps dans le parti, mais aussi à cause certaines quelque chose bien blessant. Qui donne l'impression qu'il... Mon père accroche soin à sa siège de leader, là. Et puis, même, il y a une allégation qui... Mon père insisté qu'il y ait une élection. Nouveau élection à comité central et bureau politique, parce qu'il m'a fait pousse mon tifi en avant. Tout ça, là, dégoûte, moi, franchement. C'est pourquoi, mon diaphragme, moi, dans bureau politique et dans comité central, aujourd'hui, moi, il y a trois sentiments qui animent moi. Beaucoup de tristesse, mais... beaucoup de dégoût aussi, parce qu'il y en a un certain nombre d'hypocrites, et beaucoup de colère aussi. Donc, moi, n'explique pas la raison qui fait mon fin retire moi comme leader. Bon, il y en a une proposition avec insistance qui non voté aujourd'hui même. Et une vote par bulletin secret. Moi, on a insisté qu'il ne vote pas bulletin secret. Personne. Quand il y en a pour causer dans le comité central, personne pas une prononce li contre le leadership de Paul Béranger. Personne pas une causer, mais il y en a l'occasion pour voter par bulletin secret. Il n'y a pas une pareille. Le vote final, 63 votes pour le leadership de Paul. Il reprend en sa place de leader, 9 contre et 6 abstentions. Donc là, nous retournons à nous travail normal. Nous prenons donc nos prochains bureaux politiques le 19, lundi le 19, et nos prochains comités central normal samedi le 24, quand nous reprend nos travail à la normale. Donc ça va donner aucun leader reconstituer l'équipe autour de vous ou assurer qu'il y ait une solidarité sans failler totalement? C'est ça qu'elle prend ses responsabilités. Chacun prend ses responsabilités. Nous, nous allons de l'avant en attendant la prochaine élection pour un nouveau comité central et un nouveau bureau politique. Est-ce une cause de colère et de dégoût pour avoir un groupe qui gagne? Donc, tout ça, c'est derrière. Enfin, il n'est pas trop derrière. Parce qu'aujourd'hui, nous discutons tout ça là. Donc, moi, je ne suis pas un hypocrite. Non, il n'y a pas une arrivée, non, il n'y a pas une discussion, non. Mais nous faire notre travail, et quand 63 membres du comité central demandent nous carillonne, mais nous vous carillonne naturellement. Donc nous reprend notre travail, comme on nous fait aller semaine après semaine. Est-ce qu'il a fait un oubliage, c'est un item qui, quand il met un item à l'agenda, la motion de blâme contre Steve Obligado, après il retire l'item. Quand nous finissons bien discuter, quand nous discutons le leadership du MMM, nous discutons, nous votons, et du monde qui propose un item, il retire l'item.